putain. Comment il arrive à pas. Ah mais arrêtez, vous me saoulez. Ah oui d'accord, même ouais bon d'accord, ok. Ah oui parce que c'est un scooter électrique, donc comme c'est électrique il sauve la planète, et comme il sauve la planète, bah il a pas besoin de s'arrêter au feu quoi, c'est logique. J'avais pas pensé. Putain la voie pour vélo elle est là, elle est sécurisée, elle est nickel quoi. Bon alors il y a quelques feuilles, ah oui pardonnez-nous, il y a quelques feuilles. Non mais là par contre il y a un petit panneau M12, mais je crois que c'est seulement pour tourner à droite comme d'hab. Ouais, c'est ça. C'est rouge derrière en plus. Ah oh, putain mais mec. Mais qu'est-ce que tu fais? Sérieusement. Qu'est-ce que tu fais là au téléphone mec? Qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de téléphone, deuxième pénalité. Oh, elle nous casse les couilles là. C'est pas possible d'être con à ce point là quoi. Oh là là, mais franchement j'en peux plus de ces mecs. Oh là là. Je suis épuisé quoi. Oui j'y ai cru, je pensais qu'il y avait de l'essence, mais il n'y a que du gasoil. Il n'y a que du diesel, putain. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais non, mais mec, n'importe quoi. Mais, oh là là, mais n'importe quoi. Oh, j'y crois pas. Je regardais derrière moi, voir s'il n'y avait pas un vélo qui arrivait, et l'autre, il brûle le feu rouge, là, comme un demeuré. Bon, en général, tu rigoles pas avec un gros camion, là, tu gagnes pas. Ok, on va peut-être éviter de passer devant la police comme ça, parce que là sinon... Oh merde. Ouais, c'est plus qu'il y a la gendarmerie devant aussi. Oh remerde et re-remerde. Un coup à se faire éclater le permis. T'apprends à faire un créneau et que t'as la place pour deux voitures. Ah, eh ben quoi, imagine c'est mon père. Ah, je suis mort. C'est mon daron les gars. Il n'est pas très gracieux et accompagnable, mais il est futé et renifle bien les pistes. Ah ouais les gars aussi s'il vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like parce que j'ai l'impression que quand je vous le demande pas, bah vous faites pas, je sais pas pourquoi. N'hésitez pas à lâcher le petit like, ce serait cool. Oh. Alors panneau M12, je ne le vois pas les gars. Je ne le vois pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, ils me disent ouais mais il y a un panneau M12, tu le connais pas le panneau M12? Bah si si je le connais, mais bon il est pas toujours là, et quand il est là 90% du temps, ah ouais d'accord, la priorité à droite, sérieux, et voilà c'est la preuve que vraiment les mecs à l'ouest complet quoi. Merci, c'est cool, merci. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que 90% des panneaux M12, c'est pour tourner à droite, là, hein. Vous voyez, il y a une petite flèche pour tourner à droite, c'est pas pour aller tout droit. Il s'est arrêté méga proche de moi, le gars, je sais pas si vous le voyez dans le rétro. Pourtant, j'ai vérifié, il était assez loin, mais... peut-être qu'il devait regarder son téléphone. C'est ce qui me fait le plus peur, honnêtement, quand tu t'arrêtes à l'orange, là, comme ça. J'ai mes autocollants qui se barrent. Aïe aïe aïe. Voilà, je recommande. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui fait ça bien, pour pas trop cher, des petits autocollants avec ce genre de typo, je suis preneur. Une trottinette qui s'arrête. Ah, en plus, c'est une vraie trottinette.
le mec il redore le blason de pas mal de trottes. Ah, presque. Oh non, dommage. Normal. Bonjour jeune homme. Hop hop hop. Wow. Elle sonne super bien. Elle sonne super bien. Franchement à l'arrière là. Ouais vraiment. Ouais. Le petit bonhomme il est rouge hein. Ah oui d'accord. On se voit souvent. Oh le bordel qu'il fait, putain, ça m'énerve ces mecs là. Oh là là. Il y a vraiment, faut vraiment que les gens se mettent dans la tête que faire du bruit comme ça, ça fait vraiment chier le monde en ville. Hein. Faut vraiment que ça rentre dans la tête des gens. On bat les couilles, frère. Il vous reste du 98. Bonjour, pardon, bonjour. Il vous reste du 98. Restez où, t'es ? Reste là-bas, c'est bon. Merci. C'est mieux de dire bonjour quand même avant de poser une question. Où sont mes manières, monsieur Haussmann? Où sont mes manières? Ah, tiens, un vélo qui fait de l'interfield. Oh, mamie. Petit à petit, il grille le feu rouge. Mais c'est petit à petit, c'est tout en douceur. Sa femme doit se faire chier. Enculé ! Bon là, voir moto faire ça par contre, c'est spé là. T'es joli sa moto. Ah mais l'autre il vient de griller un feu là, mais posé quoi. Je sais pas ce qu'il fout là, ce panneau 30 là depuis depuis quelques mois. Il a aucune utilité. Normalement c'est 50 ici, un vrai gars. Je ne comprends pas l'intérêt de ce panneau 30 qui est très succinct je trouve, tout petit à droite là, avec aucune autre information. Je comprends pas. Qu'on m'explique, si quelqu'un sait, qu'on m'explique. Ouais, t'es un gros con toi. Vous savez quelle différence y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Il y a pas de mal. Ah, elle fait zéro effort, elle. Tu peux décaler? Merci, madame. Monsieur. Putain, je l'ai pas entendu arriver le gars. Il y a le vent qui pousse dans l'autre sens et oh, comment il m'a fait peur. La priorité à droite des vélos. C'est un truc très optionnel. Mais mec, qu'est-ce que tu fais frérot? T'es où? T'es où? T'habites où? T'habites où? T'habites où mec? Bah ça passe là. Bah, mec en city scoot là, mais loulou. Bah dis donc. Ma moto, elle est encore plus fine qu'un city scoot les gars. Winner!